Il a annoncé mettre fin à son exil pour retrouver la terre de ses ancêtres. Guillaume Soro est à Ouagadougou. Il vient de Niamey, au Niger. Et c'est le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui reçoit l'ancien premier ministre ivoirien. Les deux points des deux hommes croisés pour marquer les civilités, accompagnés d'un petit sourire, comme dans la tradition africaine pour recevoir un hôte. Et les échanges peuvent commencer pour cette audience spéciale. C'est avec beaucoup d'émotion que l'ancien président de l'Assemblée nationale dit fouler le sol burkinabé. C'est donc des mots de gratitude qu'il adresse au chef de l'État, qui lui n'est pas issu d'un scrutin électoral. Les Burkinabés, vous savez, je l'ai dit, c'est ma deuxième patrie. Je suis frappé par le fait que c'est un peuple généreux et hospitalier. C'est avec beaucoup d'émotion. Vous savez, j'ai été 5 ans durant, loin du continent africain, en exil. Et comme je me plais à le dire, c'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où, je vous le signale, notez-le, écrivez-le, les gouvernements prétendument démocratiquement élus ont refusé de reconnaître le droit du citoyen que je suis, du Ouest africain que je suis. Et c'est pourquoi mes premiers mots sont des mots de gratitude. Guillaume Soro dit gagner également l'admiration du capitaine Traoré, qui a une perception plus grande des questions sous-régionales. D'ailleurs, il a bénéficié des conseils du chef de l'État, qualifié même de leadership éclairé du capitaine Traoré. Non sans omettre la résilience du pays dans la lutte contre le terrorisme. J'ai bénéficié de ces sages conseils en ce qui concerne, n'est-ce pas, la construction de la paix, de la réconciliation de la sous-région. Nous avons longuement échangé et je me réjouis de voir que le Burkina Faso bénéficie, n'est-ce pas, d'un leadership que je qualifierais d'éclairé. Vous avez mené un combat intense, important contre le terrorisme dans votre pays. Je me souviens, il y a quelques années, tout le monde pensait que le Burkina allait s'écrouler. Or, le Burkina, aujourd'hui, à ce que je constate, non seulement a montré une capacité de résilience importante, mais aujourd'hui est en train de mener des offensives victorieuses. L'hôte du jour félicite également l'ensemble des forces de défense et de sécurité burkinabé pour le travail qu'elles mènent au quotidien pour la restauration de l'intégrité du territoire national. Il se dit satisfait de cet échange avec le chef suprême des armées.